Good morning, allez, Dan, les tutoriels aujourd'hui, les longishmat, Amram Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Kuka bat Fritna, Zara bat Mazal Tov, Shishportish, Rachel bat Sara. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Sanhedrin, Perekret, Mishnah Bet. Mais Matai Chayav, Mishayochal, Tartema Basar, Veishte, Chatzilog, Yain, Aitalki. Rabbi Yossi Omer, Mane Basar, Velog Yain. Achal Bachaburat Mitzvah, Achal Beibur Achodesh, Achal Maser Sheni Mirushalayim. Achal nevelot utrefot shkazim omasim. Il y a une parenthèse, on la lit quand même. Achal tevel omaser rishon shalon itlater umato, omaser sheni vegdesh shalon ivdu. Achal davar shehu mitzvah vedavar shehu avera. Achal kol ma'achal velo achal basar. Shata kol mashke velo shata yain. Eino na'asa ben seorer omore, ad sheyochal basar veishte yain, shenemar zolel vesove. Afal pi shen raya ladavar, zecher ladavar. שנאמר, אל תהי בסובעי יין, בזוללי בשר למור. On continue dans cette Mishnah à expliciter le dernier des Chiyuvei Sekila qu'on avait appris dans la fameuse Mishnah, Perek Zayin Mishnah Dalet, qui était le Ben Sorer ou Moré. Comme on avait dit hier, il y a plusieurs halakhot pour le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle. Et de ce fait, on a le Perek, le 8e Perek, il a ouvert sur ça, on va voir 5 Mishnayot qui vont expliciter toutes les conditions requises pour qu'il soit condamnable à mort. Le ben sorer omoré, l'enfant rebelle. D'abord les mots sorer omoré, je vous avais dit dans le shiur précédent, je ne savais pas c'est quoi l'origine, en fait c'est très simple. On le dit tous les jours dans l'état anonyme. Marinu et sararnu. Ce sont deux formes de rébellion. Un, où on ne fait pas ce qu'on avait à faire, et un, on fait le contraire de ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire qu'on transgresse. Un, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, et l'autre, c'est qu'on transgresse ce qui est interdit à faire. D'accord ? Sararnu, mais la chambre sourd, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et marinu, on a, avec effronterie, on a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. D'accord ? C'est le ben sorer, donc en deux mots, l'enfant rebelle. Succinctement, d'abord j'introduis une notion générale, comme ça ça allégera pour l'étude de cette Mishnah et des prochaines Mishnayot. Le ben sorer ou moré, on avait déjà dit, c'est un enfant qui n'a foncièrement pas fait une action très grave qui est en soi-même passible de mort. Notre seul problème, il est qu'il se conduit de manière totalement immorale, et selon la conjoncture des choses, eh bien, fort probable que d'ici 5-6 ans, ce sera un brigand des routes et il va dépouiller et tuer les gens systématiquement. De ce fait, la Torah a dit, arrête tout de suite l'hémorragie et on le tue. D'accord ? On le tue. De quelle manière immoral doit-il se conduire ? Alors, le principe maintenant qu'on va voir dans les deux prochaines Mishnayot, c'est voler de l'argent pour aller ensuite acheter de la viande et boire du vin. Soit, il vole de l'argent pour ensuite se goinfrer et picoler. C'est complètement indigne, et de ce fait, on voit en ça le fait qu'il va dégringoler très rapidement. Voilà, une précision importante, par exemple, ce sera porté dans le portail noir cette fois-ci, il va devoir manger. Bon, la Mishnah va nous dire, il mange une certaine quantité de viande, et boire une certaine quantité de vin, et la viande qu'il mange, alors c'est une viande qui ne fait pas cuire complètement. Il la mange vraiment comme un brigand. La Gemara rapporte, si vous avez déjà étudié Shabbat, la Gemara rapporte que les brigands n'ont pas le temps de se faire cuire la viande. Ils la font à peine cuire comme ça, quand le steak est encore bien bleu, il est rouge à l'intérieur, il est un peu grillé comme ça extérieurement, déjà, il le bouffe, il se goinfre avec. D'accord ? De ce fait, si lui, c'est sa tendance, il est à ce point-là immoral au point de partir voler de l'argent. On apprendra dans la prochaine Mishnah, est-ce qu'il doit récidiver, et tout ça, il y a plusieurs conditions. Mais en tout cas, il va voler de l'argent pour ensuite aller se manger de la viande qui fait à peine cuire, et après se boire du bon vin. S'il fait cette action, c'est l'action immorale sur laquelle on voit en cela la fin des haricots. D'accord ? De ce fait, la Mishnah nous enseigne. Mais Matai Chayav, à partir de quand, quelle action considère-t-on comme une action très grave sur laquelle, qui est le signe, donc la grande dégringolade à l'horizon ? Mishayochal tardemar basar veishte chatsi yain, chatsi log yain aitalki. Jusqu'à ce qu'il va manger une quantité de un tartemar de viande. C'est une quantité qu'on ne sait pas pour le moment c'est quoi, on va expliquer ensuite. Et qu'ils boivent un chatzilog yain, un demi-log de vin. C'est quoi un demi-log de vin ? Alors le log, on sait c'est quoi par contre ? Le log, vous rappelez bien le moyen mnémotechnique, Escalav Gudo, Escalav, et les coefficients Gudo. Eifa, Sea, Kav, Log, Beitza, et Gudo. Donc voilà, deux derniers, log et Beitza, avec le coefficient Vav entre les deux, 6. Soit un log fait 6 beitza, le beitza, tout le monde sait très bien c'est quoi un œuf. Un œuf c'est l'équivalent de 54 grammes dans la halakha, 54
centimètres cubes, plus précisément. Ouais, 2 fois le kazaït, 27, 54. Donc maintenant, le log, c'est 3 fois ça. Ça fait l'équivalent, donc, c'est 6 fois ça. Donc le khatsilog, ça fait uniquement 3 fois ça. Ça fait l'équivalent de, je sais pas moi, allez, 160. On en est là, 3, d'accord, 162 centilitres de vin. D'après le Khazoni, ça fait un peu plus grand. On lui laisse un petit peu plus de marge. Presque 1 millilitre de vin. Mais en tout cas, qui boit une quantité de khatsilog, il y a une italki. Et qu'il se boit, qu'il se mange aussi un tarté marbassar. Alors le tarté marbassar, c'est compliqué. L'agma déduit finalement qu'il s'agit, je vous le dis exactement, c'est rapporté par le Tiferet Israël, 4800 grains d'orge. Un grain d'orge, c'est 0,05 grammes. Donc 4800, ça fait l'équivalent de 240 grammes de viande s'il se mange. Donc il va voler de l'argent pour s'acheter une tranche, un beau steak de 240 grammes de viande. Une fois grillé, je pense que, ouais, après l'avoir grillé, qui pèse encore 240 grammes, et qui se boive un bon verre de vin de 160 millilitres, 170 millilitres plus ou moins, alors il a déjà transgressé la loi immorale pour laquelle on a les preuves à l'appui que d'ici peu, notre ami, ça va devenir la grosse Kaira. D'accord ? Donc, Tartemar Bassar, Ishtir Hasilog, Yain Aitalki. Le principe d'abord de cette. Ouais, j'insiste dessus, quoi. Il n'a rien fait de très grave en soi-même, le fait de voler, on n'est pas passible de mort pour avoir volé, on est uniquement passible de rembourser ce qu'on a fait, on va même pas s'asseoir en prison. Notre problème, il est que s'il commence comme ça, demain ce sera pire. D'accord ? De ce fait, c'est pour ça que la Mishnah a insisté sur le fait qu'il doit boire un vin italien. Le vin italien, apparemment à l'époque, c'était le vin tip-top, le meilleur des vins, le plus raffiné. De ce fait, donc il va pour se déguster un bon vin. Il est à ce point-là immoral, il a des ta'avot, des désirs tellement forts qu'il va voler, on va apprendre de qui doit-il voler. Il va voler pour ensuite aller se gonfler avec une viande qui fait à peine cuire et boire un bon vin et comme ça se le déguster en disant qu'est-ce qu'il est bon et demain il va faire pire jusqu'à la fin, ça va devenir une catastrophe ce monsieur, ce jeune homme. De ce fait, la Torah a dit on arrête là. Rabbi Yossi Omer, Mané Bassar ve lo gain. Rabbi Yossi double les doses tout simplement. Mané Bassar, c'est le double du tartémar. Le tartémar, on avait dit que c'était l'équivalent de 240 grammes. Et bien le mané bassar, ça fait donc 480 grammes de viande. Mais log yain, c'est qu'ils boivent pas 160, mais 320, 330 millilitres de vin. Oh, je me suis pas trompé, ouais, c'est bon, 116, 32, ouais, bon, j'ai encore compté. Donc ça fait 330 millilitres de vin, italien bien sûr, c'est la quantité requise. Maintenant, je vous pose un axiome. Toute la suite de la Mishnah va tourner autour en réalité de deux axiomes, deux voire trois. Bon, un axiome que j'insiste d'abord. Notre problème, il est la dégringolade. Soit, aujourd'hui, il fait ça, demain, ce sera encore un peu plus, et demain, après-demain, encore un peu plus, jusqu'à qu'à la fin, ça va devenir un brigand. De ce fait, tant qu'on va voir que les conditions pour lesquelles il se met à manger ne risquent pas de l'entraîner à pire demain, pas dans un avenir immédiat, en tout cas, il ne sera plus condamnable à mort. En l'occurrence, par exemple, s'il mange à une occasion de mitzvah, on va avoir plusieurs conditions, qui par exemple, dans une soudate mitzvah d'un mariage, là-bas, la viande, elle n'était pas très bonne, et il s'est mis à... Et le vin, il n'y avait pas de vin, il s'est mis à chiper de l'argent, pour ensuite partir s'acheter de la viande et manger en plein de khatuna, parce que c'est ça, sa manière de se réjouir, de se goinfrer devant tout le monde avec sa viande crue, et de boire, et de picoler son vin, et son log de vin, par exemple. Et ben dans ce cas-là, il a mangé à une occasion de mitzvah, il ne... Alors, quoi ? C'est vrai que c'était très grave en soi-même, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que demain, ce sera la suite. C'est-à-dire, ce jeune homme-là, il attend d'avoir les occasions de s'envoyer en l'air, et ça n'arrivera pas demain la prochaine fois. Il attendra une autre occasion de mitzvah, un prochain mariage. Ce ne sera pas demain forcément. Donc, il n'est pas ici, il ne s'est pas encore mis sur la pente de la grande dégringolade. Il est certes, c'est pas le plus raffiné des messieurs, des jeunes hommes, certes, mais malgré tout, il n'est pas encore sur la pente... rude qui va l'amener à l'abîme. D'accord ? De ce fait, donc, achal bechaburat mitzvah, c'est la manger dans une chaburat mitzvah, une occasion de mitzvah, beseuda shel mitzvah, dans un repas de mitzvah, ou encore achal beibur achodesh, il a mangé encore dans une seuda spéciale qu'on faisait lorsque on décrétait le Rosh Chodesh, la Néoménie, alors là-bas, il y avait une halakha spéciale, de faire un repas, mais un repas simple, là de la Gemara précise, un repas où on mange un petit peu de pain, et un peu de légumes.
Et lui, on a dit manger, ah, manger, manger, il est parti s'acheter, voler l'argent pour aller s'acheter la grosse tranche de viande, je la fais griller. Étant donné qu'il est à nouveau, même si c'était pas imposé de manger tellement de viande et de vin, c'était pas du tout imposé, même si c'est pas du tout requis, malgré tout, puisqu'encore on va dire qu'il l'a fait à cause de la mitzvah, alors ça veut pas dire que demain il va recommencer. Achal maser isheni birushalayim. Idem encore s'il a mangé du maaser sheni. Birushalayim. Le maaser sheni, c'est un des prélèvements qu'on fait sur les récoltes ou sur le vin par exemple. Bon, et il a eu de l'argent, ouais, c'est l'argent qu'on peut transférer, c'est plutôt de l'argent, c'est de la gdusha, la sainteté qui va affecter les fruits. Et on a moyen de transférer cette gdusha sur de l'argent. Il a pris cet argent, il a volé cet argent, il est parti à Yerushalayim pour ensuite s'acheter là-bas de la viande et du vin et les boire à Yerushalayim. Alors malgré tout, c'est encore une achilat mitzvah. Et de ce fait, puisque c'est une occasion de mitzvah, de nouveau on craint pas pour le moment que dès demain ça va devenir un brigand. Idem encore. Alors maintenant on va entrer dans une autre particularité. Là il y a toute la série avec la parenthèse, c'est qu'il mange des choses interdites. Et la Mishnah énumère. Sans la parenthèse, on a quatre exemples. Achal nevelot ou trefot. Nevela, c'est un animal qui n'a pas été égorgé. Trefa, c'est un animal qui a certes été égorgé, mais qui était mourant. Mourant selon des conditions de trefot, qu'il avait des trous dans le poumon, il avait des trous dans d'autres membres. Shkatsim ou massim, ou encore, c'était des shkatsim, des toutes sortes de crustacés, des remassim, de reptiles. Et là, il y a la parenthèse qui nous rajoute encore d'autres exemples de ma'achalim, de nourriture interdite qu'il aurait pu manger, que ce soit du tevel, des fruits qui n'ont pas été prélevés, maaser rishon, des fruits, donc du vin qui n'a pas été prélevé, maaser rishon shelonit la trumato, maaser sheni negdesh shelonivdu, qui sont encore des sortes d'objets, des sortes d'aliments qui n'ont pas, qui a un interdit de les manger parce qu'il y avait une doucha dessus, parce qu'ils étaient maaser sheni, d'accord, il y avait une trauma à l'intérieur. Bref, ce qui nous intéresse en tout cas, c'est qu'il a mangé des choses qui était interdit par la Torah. Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, pour quelle est la particulière? Pourquoi la Torah, elle ne le condamne pas à mort cette fois-ci? Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas quel coefficient de Nesk a écrit, mais en tout cas, ça a rapporté. Les parents qui vont se plaindre de l'enfant rebelle, ils doivent dire « Benenouze, enenou chome a bekolenou ». Il ne nous écoute pas, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Or, là, en l'occurrence, manger des choses qui sont complètement interdites, c'est pas les parents qui lui interdisent, c'est même Hachem qui lui interdit. Ici, il est capable de désobéir à Hachem. Donc, c'est plus un enfant rebelle, c'est autre chose. C'est un enfant qui transgresse plein de choses. Mais en tout cas, c'est pas un enfant. Il n'a pas ici cette particularité d'être un enfant rebelle qui n'écoute pas ses parents. Parce qu'il n'écoute personne, ni ses parents, ni autre chose. Vous allez me dire, ah, dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être pire. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais la Torah ne l'a pas condamné. D'accord? Prenez-le comme vous voulez. Philosophez à votre manière. Moi, j'ai déjà ma petite idée sur la question. C'est très intéressant. Ça veut dire, si je récapitule, si l'enfant il n'écoute pas ses parents, alors là, c'est l'enfant rebelle. Mais si l'enfant il n'écoute ni ses parents, ni rien du tout, ni même la Torah, il va se mettre à se goinfrer de halouf, et ben là, cette fois-ci, on va pas le tuer. Parce que cette fois-ci, c'est plus un enfant rebelle. Vous allez me dire, mais il est pire. Et ben non, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ici, c'est rapporté dans la Mishnah, dans la Halakha du Metsora Omoré, qui ne sera plus condamnable à la mort. D'accord ? Achal davar shu mitzvah vedavar shu avera. On continue encore avec un autre cas, apparemment. Il a mangé quelque chose qui était une mitzvah, ou quelque chose qui était une avera. Et il ne sera plus condamné à mort. Alors là, c'est compliqué à comprendre. C'est vrai qu'il a mangé quelque chose qui était une mitzvah. On l'a déjà introduit longuement. En réalité, tout ça, on est venu pour nous enseigner que même s'il se retrouve dans une seouda qui était qu'une seouda midérabanane, un repas de mitzvah d'érabanane uniquement, tel que, on va voir par exemple, la seouda qu'on mange au retour du cimetière après avoir enterré le mort, il y a la base de la seouda tavraa qu'on fait aux endeuillés, et lui il est venu avec ce glouton, il est venu avec cette tranche de viande là qu'il a volé. Enfin, en ayant volé l'argent, qu'il a passé sur la tranche de viande, il a grillé, et il a mangé comme ça devant tout le monde avec son verre de vin, il était tout fier, malgré tout, puisque c'est une soudat mitzvah, alors il ne sera pas encore considéré comme un médecin remoré, comme un enfant rebelle. Mais d'abord, Shua verra aussi quelque chose qui était une avera, par exemple, s'il a mangé lors d'un jeûne public, par exemple, même si c'est un interdit que midrabanan, malgré tout, mon idée dans le... Non, je vous en fais pas part. On continue.
Achal kol ma'achal velo achal basar. Oh, cas particulier maintenant, c'est encore un troisième axiome. Cette fois-ci, il a mangé, il s'est gonflé, mais pas de viande. Il est parti s'acheter plein d'autres choses, mais pas de la chair. Il est parti se goinfrer de poisson, il est parti se goinfrer de chocolat, de plein d'autres choses, mais pas de viande. Ou encore, chata kol mashke velo chata yarin. Il est parti se bourrer la tête, mais pas avec du vin, avec un bon whisky, avec de la boucha, avec ce que vous voulez. De la, c'est quoi la mode là, le truc des chassides là. Ah, je suis nul en alcool. Chata kol mashke, la vodka. Il est parti, il est tout rond à cause de la vodka, mais il a volé de l'argent, il est parti acheter une bonne bouteille de vodka. Malgré tout, la Torah ne l'a pas condamné à mort sur cette action-là. Et non, Nessa ben Sorer Omore, il ne sera pas considéré comme un enfant rebelle. Ad sheyochal basar veishteyain, jusqu'à qu'il mange de la chair, de la viande, veishteyain, et qu'il boive du vin. Sheneemar zolel vesore, car le pasuk nous dit que benenuze, les parents qu'on vient de la, quand la Torah raconte l'histoire du Ben Sorer Omore, les parents viennent se plaindre au Bedin et qui nous disent Benenuze, Enenu Shoma Bekolenu, Zolel Vesove. Cet enfant-là qui est à nous n'entend pas notre voix, il est Zolel Vesove. Il se goinfre et il se bourre la tête. Je ne sais pas regarder la traduction du rabbin Zadok Khan, mais en tout cas, Zolel, il est Zol. Aucun respect est sauvé. Alors, même s'il n'y a pas de preuve explicite que c'est uniquement par la viande et le vin, malgré tout, Zechar al-Adavar est quand même un pasouk où ça laisse entendre que ces deux actions d'être zolel, de se rabaisser, de sauver et de picoler, de se bourrer la tête, ouais, c'est uniquement la Torah l'insiste et un pasouk dans Michelet qui nous fait une allusion, comme il y a marqué le pasouk de Michelet qui nous dit Altei besov e yain bezolele basar lamo. Ne sois pas parmi ceux qui sauf Eyaïn, ceux qui picolent du vin, ceux qui s'envoient en l'air avec du vin, Bezolele Basar Lamo, et ceux qui se goinfrent avec de la viande. De ce fait, on regardait le mot sauver, et Zolel. Donc on déduit de là, même si ce n'est pas une déduction forcée, c'est pas une réaïa la davar, mais c'est malgré tout un zechra la davar, c'est un bon appui, sans que ce soit une preuve forcée, parce qu'on pourrait dire que le pasouk parle d'autre chose, on pourrait inclure d'autres choses. En tout cas, il y a quand même le passage qui laisse entendre que le Yain sauve et, quand il y a marqué, quand tu vois le mot dans la Torah qui a marqué Zolel ve sauver, ça veut dire Zolel, Bassar, sauver, Yain. Zolel, il se rabaisse, il se goinfre avec de la chair, de la viande. Sauve et, c'est qu'il s'envoie en l'air avec du vin, uniquement. Et donc, c'est pour ça, en tout cas, que c'est grâce à ce passage, c'est aussi dans la Chalem Moshe Mishinaï en réalité, qu'on déduit que le Ben Sorer Omore, l'enfant rebelle, n'est condamné à la mort que s'il mange de la viande et qu'il boit du vin. On fait à présent le Barthénora. On avait vu le Tartimar, c'est quoi cette quantité? Chatsi mané, c'est la taille d'un demi mané. Par rapport à Rabbi Yossi qui a dit le mot de un mané, alors nous ça fait un chatsi mané. Vehu sheya basar bashil velo bashil kedar shalistim ochlim. Barthénora apporte la condition que la viande soit cuite et pas cuite, à moitié cuite, comme l'usage des brigands. L'estime, c'est les brigands. Comme les brigands mangent. Min yaina italki. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un vin italien? Sheo meshubach mamshich batre. Car c'est un vin de qualité et qui donne envie de continuer à boire davantage. Vehu deshatele mazig velo mazig. Autre condition encore, qu'il le boit à moitié coupé à l'eau. Ouais, qu'il aime le vin avec le goût fort du vin, sans trop le couper à l'eau. Avant, on coupait le vin avec un tiers de vin et deux tiers d'eau. Alors là, il met un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Rabbi Yossi Omer, Mané Bassar, Velogain. Rabbi Yossi double les doses. Vena Achak Rabbi Yossi. Alors, Rabbi Yossi rapporte que la lacha n'est pas établie comme Rabbi Yossi. Achal Bechaborat Mitzvah, Besouda Shal Mitzvah. C'est quoi qu'il a mangé dans une, avec un groupe de Mitzvah, soit dans Besouda Shal Mitzvah, dans un repas de Mitzvah. Achal Beibor Achodesh, il a mangé à l'occasion d'une Souda de Rosh Chodesh. Afal Gav Dehen Olin. Une souda quand on décrète le Rosh Chodesh plutôt. Afal Gav Dehen Olin Ota Souda El Abepat Vekidin Milvad, même si l'usage n'est pas à cette occasion de se manger de la viande et du vin. De ce fait, on aurait pu croire que là, oh, il est dangereux cet enfant-là, à vouloir tellement rapporter son vin, sa viande pas cuite et son vin. Malgré tout, ouais, l'usage de manger uniquement du Pat Vekidin Milvad, du pain et une légumineuse, un petit yerek, un légume,
Veyuasik Basarien, et lui il est parti s'amener sa viande et son vin, malgré tout. Puisque finalement il est en train d'accomplir une mitzvah, une soudat mitzvah, de participer à quelque chose qui est considéré comme une petite mitzvah quand même, l'omamshir. On ne craint pas qu'il va être nimshar, qu'il va dégringoler encore plus dans une situation pareille. Achal maaser sheni birushalayim. Là il a mangé donc le maaser sheni, la deuxième dîme à prélever sur les fruits, donc on avait dit qu'il transfère la kedusha sur l'argent. Kevan de kederech mitzvato, puisque finalement il est de nouveau en train d'accomplir une mitzvah, dirti ve maaser sheni, comme le pasuk dit sur le maaser sheni, babakar ou batson ou bayayin ou bashechar. Tu viendras avec ton argent Yerushalayim et tu l'achèteras. Tu achèteras des bovins, des ovins, et tu achèteras du vin et de la boisson alcoolisée même. Dans ce cas-là, l'homme amchir. Il est en train d'accomplir une mitzvah, on ne craint pas qu'il va dégringoler encore plus. C'est quoi l'histoire qu'il a mangé une viande pas égorgée, une viande qui était très fade, agonisante, des shketim ormasim, des reptiles. D'où on apprend le fait de manger quelque chose qui est interdit de toute façon par la Torah, que par cela il ne sera pas condamné à mort. Dirtiv enenu shoma bekolenu. Le pasuk insiste et dit, il raconte que les parents viennent se plaindre qu'ils n'écoutent pas notre voix. Veloze shafilu kolosh al makom baruch hu enenu shoma. Tandis que celui-ci n'écoute même pas la voix d'Hachem, la voix d'Amakom baruch hu, Akadosh baruch hu. Il n'écoute même pas. Dans ce cas-là, c'est plus un Ben-Soré Omoré, c'est plus un enfant rebelle. Il a d'autres problèmes dans la vie, mais c'est pas le problème de se rebeller face à ses parents. Davar Sheu Mitzvah. S'il a mangé quelque chose qui était d'une mitzvah, on avait dit, tu nous as déjà enseigné, participer à une soudat mitzvah. Le Bartonora précise, des Rabbanan, même si une mitzvah qui n'est que des Rabbanan, les Touyé Tanchumé Avelim. Pour inclure par cela, s'il a mangé dans les Tanchumé Avelim, les Shiva, pendant qu'il y avait là-bas un repas, des endeuillés, il est parti, il s'est mis à se goinfrer lui aussi. Dei me reisha, si je devais le déduire uniquement de la reisha, du fait du début de la Mishnah, qui n'a parlé de mitzvah, ava amina, chabot mitzvah, inu kohanim, shochrim kadashim, ou achilat psachim. Je me dis, tu sais quoi, c'est qu'il s'est joint à un groupe qui fait une soudat mitzvah, je me dis, d'avoir une super mitzvah, telle que le kohanim au bet amigdash, ou ceux qui mangent le kodashim au bet amigdash, ou le psachim. Mais pas quelque chose qui n'est que mid rabbanan comme. Soit Seudat Avra, par exemple, de nourrir les endeuillés, ou encore d'avoir choua Avera, il a mangé quelque chose qui était une Avera, quelque chose qui est interdit, les Touyet Anit Sibour, pour inclure celui qui mange dans un jeûne public, chez Isuro Midivres Sofrim, puisque c'est un interdit qui n'est que Midivres Sofrim, malgré tout, il sera considéré comme Enenu Shomea Bek, il sera exclu du fait qu'il n'écoute pas uniquement que ses parents, il ne désobéit pas uniquement qu'à ses parents, mais il désobéit aussi à Hachem. Dans ce cas-là, il n'y a plus la condition de Enenu Shoma Bekolenu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous en ai plein de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.